Merci, Émilie, d'avoir accepté mon invitation. Ça me fait plaisir, je suis contente. Merci que tu te présentes. Qui es-tu? Que fais-tu? Parle-nous de toi. Ok, parfait. Ben, d'abord et avant tout, je suis coach d'affaires en marketing du cœur depuis septembre 2015. Donc, ça va faire 3 ans. Oui, quand même. Donc, c'est ça, j'accompagne des entrepreneurs de cœur, des gens qui sont passionnés de ce qu'ils font, des gens qui sont déterminés aussi, des action takers, des gens qui ont hâte de se développer. Puis, je les aide à bâtir une entreprise qui est à la fois authentique et à la fois profitable. Donc, pourquoi les deux, en fait, à la fois authentique, ce qui est dit, c'est que l'entreprise est en alignement avec eux, avec leur communauté, qui peut s'exprimer qui ils sont au travail qu'ils font, ça, pour moi, c'est super important. Des fois, on a un petit ménage à faire, on élimine des choses qui sont pas en alignement. Et de prendre leur temps, puis de les propulser, puis de les développer à leur potentiel. Ensuite de ça, l'entreprise est profitable, donc qu'ils soient rémunérés à leur juste valeur, pour faire ce qu'ils ont besoin. C'est tellement important. Souvent, mes clients cherchent pas assez cher, ils savent pas comment structurer leur offre. Ça, j'ai pas clair, comme j'ai pas de valeur élevée, mais c'est tout le temps. C'est pas une question que le prix est trop élevé, je choisis la question. Le message communiqué n'est pas assez élevé, communiquer une valeur élevée. Donc, on travaille tout seul, mais ça, je porte des offres complètes, structurées, téléphone. Et c'est ça, puis après, c'est quand même stratégique. C'est pas la personne qui va me développer dans le Puis là, on se parle aujourd'hui parce que t'es une de nos conférencières au 4e congrès. Moi, je me pince. J'ai tellement hâte. J'aimerais ça que tu me parles un peu de la conférence que tu vas donner aux participantes. C'est bon, parce que là, ça se vend, ces places-là, c'est fou. J'espère que t'es prête. Oui. Donc, vas-y, parle-nous de ce dont tu vas leur parler. Je sais que tu vas les brasser un peu d'après. Ça se peut. Ouais. Ça se peut, mais je pense qu'on a tous besoin de ça à un moment donné, absolument. Dans notre vie et dans notre entreprise. Comme je disais, le fait de coacher avec des hommes et des femmes en affaires, les hommes n'ont pas du tout la même relation avec l'argent et les femmes. Non. Et moi, je le vois beaucoup avec mes clients hommes que j'ai eu dans la dernière année. Là où les femmes bloquent, c'est vraiment à reconnaître leur juste valeur. Moi, j'ai un module qui est axé que là-dessus dans mon curriculum. Ah oui, hein. C'est là où est-ce qu'on a le plus de problèmes, c'est dans une plus grande distance. Les hommes, souvent, la relation très proche de la matière, de l'argent, c'est très intéressant pour les autres. La relation de la matière est plus proche et plus. C'est pratico-pratique, c'est un outil pour nous. Exactement, c'est un outil. Je fais tout le temps faire des stretches à mes clients pour les amener plus loin, pour les aider à grandir dans leur entreprise. J'explique tout le temps faire plus d'argent avec les clients, apporter un niveau de service beaucoup plus grand. L'homme va doubler l'entrée, aucun problème. On va quintupler l'entrée, aucun problème. Tandis que les clients femmes, là, des fois, c'est difficile. Ils repassent de 50 à 55 ils ont de la misère. C'est là où ton poids, c'est pas toujours évident. Dans l'idée de se vendre aussi, d'aller chercher la clientèle, comment gérer l'argent souvent, mais ils prennent leur responsabilité, ils font pas de ça dans le but content. Puis je les blâme pas parce que moi-même, j'étais là quand j'ai commencé. Je suis dans les responsabilités, mais finances d'entreprise, c'est compliqué. C'est quelque chose que j'ai vu beaucoup, énormément chez la cinquantaine, les plus de clients que j'ai accompagnés dans les dernières années. Donc, on recule d'une centaine d'années où la femme, la valeur, c'était pas super. Non, exactement. Puis, on a hérité de tout ce bagage-là, toutes ces croyances limitatives-là, toutes ces résistances-là. Moi, je le vois beaucoup avec les gens. Où est-ce que, si des fois, ils veulent faire le stretch, mais en même temps, ils résistent. Ils résistent de tout. Ah, oui, vraiment. Puis, souvent, c'est parce qu'ils se sont comme un peu accrochés comme ça, de confiance. C'est pas toujours facile pour eux de faire le stretch. Donc, c'est souvent la notion de l'argent, elle est très intangible. Moi, je t'explique, c'est pas une question d'argent, c'est notre pouvoir, c'est notre valeur. Oui. Ce qui arrive, c'est que quand on ne reconnaît pas notre valeur à nous, en tant qu'entrepreneur, on va prendre juste son équipe, les autres n'ont pas. Ben non, si nous, on ne reconnaît pas, les autres ne reconnaissent pas. C'est souvent là où est-ce qu'on tombe dans l'œil. Là, on cherche à convaincre les autres parce que nous, on n'est pas convaincus, l'autre personne n'est pas convaincue. Là, on cherche à convaincre l'autre. On n'a pas besoin de convaincre, c'est ça. Alors, nous, on est convaincus. On reconnaît notre totale, complète valeur. Absolument. C'est là où est-ce que les autres l'avoir à leur tour. Donc, ça fait vraiment une différence extraordinaire. Ouais. Je travaille ça en profondeur avec mes clients, mais là, la conférence, ça va être super intéressant.